Mes chers amis, bonjour. CBF, on se retrouve pour une vidéo composition farming avec la fameuse composition BAM, Barbare Archer Mignon. En français, Barbare Archer Gargouille, voilà, on pourrait dire bague à la française. Bien que bague était déjà utilisé avec Giant pour les géants. Donc on va dire du BAM à l'ancienne, on va rester sur les acquis. Regardez tout de suite ce premier gameplay avec du 650K or. Je suis toujours en argent 3 pour vous proposer ces vidéos puisque je teste, on va dire, le farming dans cette zone de trophée. Maintenant, ces compositions-là, je suis assez familiarisé avec. Je les ai déjà utilisées, je vous ai proposé ma composition fétiche dans une précédente vidéo. Je vous présente maintenant le BAM. On verra pour les prochains épisodes ce que je vous proposerai comme composition farming. C'est vrai que en termes de composition, je vous ai proposé beaucoup de choses pour du rush et de la GDC, mais c'est vrai qu'on n'était pas revenu sur des fondamentaux, sur du bon farming à l'ancienne. Là, on farme pas sur de la ligue, on farme sur donc du bon village bien gras en réserve remplie, en extracteur si possible rempli aussi, et bien sûr le rendement très important, le rendement, combien vous allez faire d'or et d'élixir à l'heure, ou d'élixir noir si vous farmez le noir. Là, ces vidéos sont plutôt orientées, je vous dis franchement, j'ai même pas regardé le noir que je prends. On va le regarder, là on voit qu'il y a du 1600 quand même, donc on voit que même à cette zone de trophée, du noir on peut en prendre, et ça peut être très intéressant et également pour farmer ses troupes noires ou ses héros. Mais par contre, c'est vrai que moi, tant qu'à faire, je trouve aussi un intérêt à faire ces vidéos-là, c'est-à-dire de récupérer un peu d'or et un peu d'élixir pour continuer à améliorer mes murs, puisque en ce moment, j'ai encore, je sais pas, peut-être 90 murs de niveau 10 à passer, puis après, il faudra passer les 250 murs au niveau 11. Encore une fois, regardez ce magnifique village tout gras. Avec du 600K or quasiment et du 450K élixir, c'est énorme, c'est plus d'un million cumulé là-dessus. Avec presque 1000 de noir, donc là encore, de quoi rentabiliser les minions, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais moi je veux pas utiliser des minions ou des troupes noires dans mes troupes de farming, parce que justement j'économise pour le roi et la reine, etc. » C'est un faux problème, c'est un faux débat, vu qu'en réalité, les minions ça coûte très peu, puis qu'en fait, vous avez utilisé une compo qui vous permet de réattaquer souvent, donc reprendre plus, donc avoir un meilleur rendement à l'heure, etc., etc. Donc là, la composition que je vous propose aujourd'hui, c'est certainement la plus rapide en formation. Alors moi, j'utilise deux casernes de barbares, deux casernes d'archers. Je me casse pas la tête. Si on veut être un petit peu, c'est toujours un peu mieux en général d'expérience d'avoir un peu plus d'archers que de barbares. Là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement dans une des casernes de barbares mettre au début de pile, je sais pas, 10, entre 5 et 10 archers, et après enchaîner sur tous les barbares derrière. Et côté caserne de minions, alors en général on va pas excéder les 30 minions pour des HDV10 qui ont 240 de capacité de camp, et on peut tourner à 20, 15, j'ai envie de dire entre 15 et 30. Moi j'aime bien en mettre 20 personnellement, même étant HDV10, j'aime bien en mettre 20, j'aime pas en mettre plus. Voilà, d'expérience, de la manière de pratiquer. Encore une fois, chaque composition, alors sur du farming, les compositions sont quand même moins précises que sur des compositions de rush où là chaque PK compte, etc. On a des compositions quand même où c'est des unités de camp une capacité de camp pour le barbare, l'archer, le minion en prend 2. C'est pas tellement ça qui va. Vous avez pris 5 archers de moins, vous avez remplacé par des barbares ou les minions un tout petit peu plus, un tout petit peu moins. C'est pas très impactant. Contrairement à une bonne composition où je vous dis y a 7 golems et 14 sorciers, vous en mettez un 8ème, vous en mettez des sorciers, ça va tout changer par contre dans le gameplay. Voilà, là c'est pas le même cas pour du farming. Donc c'est des compositions très rapides à former. Si vous pouvez les booster, c'est bien aussi, mais il n'y a pas besoin de tout booster, parce que si vous boostez tout, vous allez les avoir toutes les minutes, et à la limite, j'ai envie de vous dire, sauf si vous tombez à chaque fois à la première recherche sur le village super gras, que vous l'attaquez en moins de 2 minutes, vous l'avez fait, et à ce moment-là, vous enchaînez derrière, oui, mais en général, attendez, il faut au moins le temps de chercher, et même en trouvant vite, il faut passer peut-être entre 30 secondes et 1 minute, et demi pour trouver le village. Après, le temps de l'attaquer, de finir l'attaque, ça peut prendre entre 1 et 2 minutes. Ça suffit déjà avec j'ai envie de dire deux boosts, deux casernes boostées,
Et une usine de sort, déjà là on s'en sort, on peut attaquer tous les 5000. Maintenant après je pense qu'on peut attaquer. Faudrait faire les calculs, hein, mais je les ai pas fait, mais pour ceux qui mettent un peu plus de temps à trouver un bon village à attaquer, vous pouvez booster par exemple une caserne. Caserne d'élixir, hein, c'est-à-dire vous mettez archer dans une caserne, boosté, vous mettez barbare, barbare, barbare sur les trois autres casernes d'élixir, et vous mettez sur les casernes de troupes noires. Les 10 et 10 ou les 15 et 15, c'est vous qui voyez par rapport aux gargouilles. Côté sort, moi je conseille encore une fois le soin parce qu'il est plus rapide à former. Si maintenant vous formez vos sorts pour le lendemain et que vous allez dormir, alors allez, n'hésitez pas à mettre full rage. Le rage est plus intéressant. Maintenant il prend 45 minutes, donc c'est vrai que quand on enchaîne toutes les 5 minutes des attaques et si on consomme pas mal de sorts, ben, au bout de 6 x 5, 30, donc au bout de 6 attaques, on peut déjà récupérer un nouveau sort de soin, alors que il en faudrait 3 autres attaques pour récupérer, si on fait tous les 5 minutes, encore une fois, un rage. Donc comme là on a tendance, moi en tout cas par rapport au village que vous voyez, j'ai tendance à devoir tout raser, donc il faut que j'utilise mes sorts. Au moins un ou deux, donc voilà. Enfin, du coup, ça me fait consommer du sort et il faut que bah, je puisse avoir des sorts qui se forment vite, donc du soin, même s'il est un peu moins efficace. Concernant les sorts, justement, il faut les placer pas trop tard. Donc en général, à mi les sorts c'est au début et mi-chemin maxi, on n'utilise plus de sorts après les deux tiers, après l'avoir fait les 50% du village, hein, grosso modo, parce qu'il n'y en a plus de troupes. Et si vous dites c'est en cas de problème, donc s'il y a déjà eu un problème, donc si vous avez perdu toutes vos troupes ou la moitié de vos troupes, et bah, le sort de soin il va plus soigner grand chose. Donc c'est préventif et c'est pour augmenter au contraire la vitesse de pénétration dans le village, donc il faut le mettre. Voilà, moi je le mets tôt, regardez mes sorts, je les mets tôt, c'est un choix. Si je le sens pas, je le mets tout de suite. C'est un doute, peut-être qu'ils auraient été utilisés pour rien, mais dans le doute, ben il faut c'est banco quoi. C'est on le met pas, mais faut se décider tout de suite. Faut pas se décider pour après c'est trop tard. Soit ça c'était pas nécessaire, tant mieux, mais soit c'était nécessaire et là vous l'avez pas mis. Donc en cas de doute, vous le mettez quand même. Bah là, vous êtes sûr qu'au moins vous n'avez pas foiré votre attaque, vous n'allez pas perdre les ressources que vous deviez prendre. L'angle d'attaque, bien sûr, choisir toujours là où il y a le plus de réserves. Donc ici, par exemple, il y avait 4 réserves d'or qui étaient. Donc on coupe le village en deux, on avait 6 réserves en haut, 2 en bas, donc c'était plus intéressant de taper en haut. La manière de déployer les troupes, c'est assez simple. Une vague de barbares, une vague d'archers, une vague de barbares, une vague d'archers. Regardez bien les gameplays hein, pendant que je parle, refaites un ralenti, revenez pour voir. Vous verrez que des fois je suis scrupuleux, des fois je le suis pas trop. Mais quand je suis scrupuleux, c'est bien de l'être par rapport à vous si vous n'avez pas d'héros 40 et que vous avez. Voilà. J'ai envie de dire, on a moins droit à l'erreur. Plus on a des troupes faibles, moins on a droit à l'erreur. En gros, c'est ça. Donc, si vous voulez, donc faut être précis. Si vous voulez plus précis, les minions, vous les déployez une fois que vous avez commencé à voir que vos barbares archers ont déjà cliné les anti-aériens. Là, vous pouvez être les minions derrière. Ce serait dommage qu'ils se fassent bousiller très vite par des anti-aériens. Donc, les vagues, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, quand on fait des vagues, déjà on démine un peu, donc ça serait dommage de tout envoyer d'un coup avec 4 doigts. Vous mettrez vos 4 doigts comme ça, même les 5 avec le pouce, si vous avez joué avec le pouce en même temps sur votre écran, et vous déployez tout d'un coup, et que les tours de sorcier, les bombes géantes et tout ce qui va faire du dégât de zone comme ça vont tout vous bousiller, là c'est mort. Ce serait vachement dommage. Ça c'est une première raison. Deuxième raison aussi, c'est bah, l'effet que vous donnez, c'est-à-dire que vous clinez au fur et à mesure, vous remettez de la troupe derrière qui elle n'est pas targetée et qui va continuer à faire l'avancée. Donc l'avantage aussi de cette compo, c'est que aussi, comme je disais, par rapport aux géants où ça prend 5 capacités de camp et donc ça va focaliser sur un truc, là vous avez quand même masse de troupes. L'effet de masse est intéressant en attaque comme en défense. Il y a des gens par exemple qui en défense utilisent 30, 35 archers dans le château de clan. Je sais que Dovahkiin Forlifone, vraiment que je salue si on regarde cette vidéo, lui est fervent de mettre 35 archers dans son château de clan. C'est plus loin à sortir, c'est effet de masse, donc il y a un intérêt aussi à avoir des troupes de petite capacité de camp. Donc là sur du BAM, vu qu'on va avoir, à part les minions, les barbares énergiques qui vont prendre énormément d'effets de masse, et ben évoquer par petite vague comme ça enchaînée. Vague de barbares, vague d'archers, vague de barbares, vague d'archers, vague de minions. Regardez, ça fait qu'on arrive à bien entrer avec un petit sort de rage ou un petit sort de soin placé judicieusement. Ça donne très bien.
Pensez éventuellement, dans la mesure du possible, à checker le château de clan. C'est toujours mieux si on peut le faire, surtout s'il est rempli, et de pouvoir l'attirer à l'extérieur avec des barbares. Les barbares, eux, vont servir à donner à bouffer aux troupes de château de clan en face. Pendant ce temps-là, vous faites un cercle autour des troupes du château de clan. Une fois que vous les avez regroupées en dehors du village, le château de clan défensif, vous faites un petit cercle avec vos archers et vous clinez les troupes, éventuellement avec des minions. Si c'est un dragon, par exemple, ça va un peu plus vite d'utiliser quelques minions et vous allez peut-être gratter moins d'archers avec ça, donc ça peut être bien aussi. Voilà, bon, après je peux pas vous donner tous les conseils de tous les cas de figure qu'il y a dans le château de clan, faites attention. S'il y a une sorcière, bah, déjà on est dans un village où s'il y a de la sorcière en défense, c'est un peu... on n'est pas dans du farm facile là, mais la sorcière il faut bien la traîner derrière, et à ce moment-là si vous n'avez pas de foudre, forcément là il n'y en a pas dans ce que je vous propose. Là il faut vraiment l'attaquer de côté ou par derrière, la sorcière, c'est très important. Voilà, donc la sortez bien, elle est toujours à la traîne. C'est pour ça que quand on sort les troupes de château de clan, il y a des sorcières, on balaye de droite gauche, très écarté. Ça permet de faire les troupes qui vont vite comme barbare archer de venir sur vous vite, mais pendant ce temps là la sorcière elle est à la traîne, elle se décale de plus en plus, et vous mettez de l'autre côté une troupe, ça redécale encore un coup les troupes qui étaient déjà là en fait devant vous, mais elle passe de côté. Pendant ce temps, la sorcière, elle avance, si vous voulez, de l'endroit reculé vers proche de vous. C'est pour ça qu'on voit des gauches-droites comme ça quand même, la sorcière, pour l'attirer aussi et perdre peu de troupes pour attirer le château de clan, et après la taper de côté. Ça, c'était la parenthèse par rapport à gérer les sorcières. Les sorts, on en a parlé. Les boosts, donc comme j'ai dit, si vous pouvez déjà si vous pouvez en faire, faites-en. Si vous en faites pas, vous allez attaquer de toute façon toutes les 15 minutes, c'est déjà pas mal. Si vous attaquez avec une usine de sorts boostée et une caserne boostée, c'est bien, vous pourrez attaquer à peu près toutes les 7 minutes si je dis pas de bêtises. Si vous pouvez booster deux casernes, eh ben là, vous êtes directement dans les 5 minutes. Donc c'est quand même vachement intéressant, hein, puisque sur le géant sapeur barbare archer, sans les minions, là déjà il faut booster plutôt les 4 pour arriver à du 5 minutes, hein, à peu près. Hein. Voyez en fonction de ce que vous trouvez. Si les héros, pareil, si vous en avez un de dispo, si vous pouvez en booster un, c'est aussi, c'est un gros avantage. Surtout si vous rencontrez des villages où il faut aller prendre partout. Là, par exemple, il faut que j'aille prendre dans les réserves, dans les extracteurs, donc il y en a un peu partout, c'est un peu compliqué. Il faut aller raser tout le village pour tout prendre. Maintenant, dans un cas comme ça, je dis franchement, on prend la moitié, on est déjà content. Moi, je peux me permettre avec mes héros, avec ce que j'ai, de pouvoir tout raser. Donc voilà, des villages HDV9 qui sont moyennement costauds. Donc quand on voit de la TDS de niveau 4 ou 5, c'est très intéressant. Faites attention aussi un petit peu aux mortiers. Regardez les troupes, bien sûr, les bâtiments défensifs en amélioration. Regardez éventuellement là ce qui aurait pu être intéressant pour moi. J'ai pas fait attention à ça, mais par exemple, il y avait un anti-aérien qui était un peu plus faible côté droit. Bon, c'est pas très grave. Là, par contre, il y a déjà un qui est enlevé. Donc là, on va pouvoir déjà renvoyer les minions. Le propulseur d'air, regardez qui m'envoie, vous voulez, mon petit serviteur à gauche. Bon, ça, c'est pas trop méchant. Franchement, je pense pas que le propulseur d'air, ça va être vraiment le truc qui va vous enquiquiner par rapport aux minions graves, quoi. Ça va le pousser un petit peu. Mais en général, il va finir par se faire éclater par les barbares archers devant. Donc bon, il a reculé un petit peu les serviteurs, mais bon, c'est pas ce qui va changer tout le gameplay. Le fait que vous allez farmer moins, je ne pense pas, très sincèrement. Voilà, je pense que j'ai dit un petit peu les choses essentielles. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié cette composition, que vous l'avez utilisée. Faites-nous part de vos retours là-dessus si vous ne connaissiez pas. Et bien sûr, pour les bonnes ligues, descendez jusqu'à trouver de la ressource. C'est très simple, la bonne ligue, c'est celle où vous trouvez vous-même fréquemment du village bien gras, de la ressource facile d'accès. C'est tout. Vous ne pouvez pas faire l'économie de votre expérience, il n'y a pas de secret, encore une fois. Ciao les amis, à très bientôt.